Où vivre est un roman choral inspiré de l'histoire familiale. Léna et Anna sont deux sœurs qui sont nées dans les années 30 en Pologne et elles ont fui la montée du nazisme avec leurs parents. Elles trouvent refuge en France et elles sont toutes les deux enfants cachés pendant toute une partie de la guerre. Après la guerre, Léna, donc l'aînée, part pour la Palestine pour fonder un kibboutz. Sa sœur Anna est censée la rejoindre et finalement elle reste en France. Donc à travers les voix de ces deux sœurs et de leurs enfants, donc à la fois de la famille en Israël et de la famille restée en France, on suit l'évolution de l'État d'Israël, de sa création à aujourd'hui. On suit aussi les espoirs, les désillusions de tous ces personnages et on explore aussi ce qu'il reste du lien familial dans l'exil. Alors, en fait, tout est restitué à travers un personnage qui est une sorte de narratrice qui finalement restitue elle-même les autres personnages et donc les autres voix, qui est Marie, la fille d'Anna, donc restée en France. Et bon, sans rien révéler, Marie est un peu mon double, c'est-à-dire qu'elle c'est elle qui porte ma perception de ce sujet, le tiraillement que j'ai pu ressentir depuis toujours, et qui m'a donné envie d'écrire ce roman. Simplement en m'attachant à faire entendre l'intériorité des personnages, sans jugement, sans analyse vraiment, on s'attache à leur parcours, à leur personnalité, encore une fois à leurs espoirs, à leurs désillusions, à leur découragement, à leur force aussi, parce qu'il en faut de part et d'autre. Et j'espère, je pense qu'à travers leur évolution et leur ressenti, leur voix particulière, on peut percevoir tout ce qu'ils ressentent par rapport à cette situation. En fait, il y a vraiment deux sujets principaux. Il y a l'évolution du kibboutz, parce que c'est vraiment quelque chose qui m'intéressait, avec tout ce que ça portait de nouveautés, d'espoir incroyable, de réussite pendant quand même des décennies, d'une société plus juste, égalitaire, sans tirer vers le bas, sans entraver la liberté individuelle. Je m'attarde beaucoup sur la vie au kibboutz et sur tout ce que ça a suscité d'espoir et de joie. Et donc, après coup, aussi de nostalgie pour ceux qui y sont nés, qui y ont vécu. Du côté de la famille française, ce qui m'intéressait particulièrement, c'est l'espèce d'injonction qui est faite à quiconque est lié plus ou moins à Israël de prendre position, d'avoir à répondre de ce qui peut se passer là-bas. Et moi, c'est quelque chose que j'ai toujours ressenti avec... ça a été à la fois une sorte de poids et en même temps, je pense que ça donne sa force à réfléchir, à prendre en compte la complexité des choses, parce que c'est une situation incroyablement complexe et la complexité résiste même quand on se rend sur place, ce que j'ai fait. Je n'y étais pas allée pendant 30 ans et j'y suis retournée pour le roman, pour travailler au roman. Et je suis repartie avec plus de questions que de réponses, mais ça, je m'y attendais. Et c'est vraiment ce que j'ai essayé de tenir dans le roman, cette absence de solution, de position tranchée, mais vraiment quelque chose d'à la fois enthousiasmant, désespérant et passionnant. En fait, j'ai bénéficié d'une bourse de l'Institut français pour ce projet de roman. Donc en 2015, j'ai passé un mois en Israël et quand je suis revenue, assez vite, en fait, j'ai publié un journal de séjour qui s'appelle À la trace, qui est paru aux éditions Intervalle, qui était une façon de déposer le réel. Et ensuite de pouvoir prendre de la distance par rapport à ça, parce que mon projet et ce que je fais, c'est j'écris de la fiction, et c'était très important pour moi
de prendre cette distance parce que je savais que c'était comme ça. Peut-être que ça deviendrait plus universel et que je dépasserais ma propre histoire familiale et le côté très intime de cette histoire. Et donc, il a fallu ensuite plus d'un an pour que je trouve comment entrer dans l'histoire et comment trouver la distance nécessaire. Bon, j'espère y être parvenue, mais c'est vrai que c'est, je ne vais pas mentir, c'est peut-être mon roman le plus proche, le plus intime.